présent lors de l'émission spéciale 20 ans de Nouvelle Star, Julien Doré a reçu un cadeau de la part de Karine Le Marchand auquel il ne s'attendait pas. Un petit clin d'œil à une autre émission de M6. L'amour est dans le pré. Lors de la saison 5 de Nouvelle Star, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Julien Doré, chanteur surdoué à l'univers artistique un brin fantasque. Rapidement le public se prend d'affection pour cet artiste à part qui s'empare des titres des autres comme personne. Depuis, l'auteur et interprète a fait un long chemin et s'est imposé dans le paysage musical français. À l'heure où M6 souffle les 20 bougies de son ancien télécrochet, il était impossible pour l'interprète de Coco Caline de ne pas être de la fête. Avec humour, et grâce à la complicité de Virginie Efira qui présentait le programme à l'époque de sa participation, il a rejoué sa première audition chaotique. Mais cette soirée a aussi été l'occasion pour lui de recevoir un cadeau auquel il ne s'attendait pas. Nouvelle Star, 20 ans, Karine Le Marchand fait une belle surprise à Julien Doré dans les coulisses de l'émission. Julien Doré croise Karine Le Marchand qui l'attend, un panier dans les bras. Le chanteur est ravi de croiser celle qui présente une émission dont il ne cache pas être fan, L'amour est dans le pré. Les agriculteurs t'offrent ce panier, lui annonce l'animatrice. Très touché, le chanteur est ravi. Ça fait combien d'années que tu regardes L'amour est dans le pré? L'interroge-t-elle. Semblant faussement gêné, il se racle la gorge et murmure, toujours. Voyant tous ces produits émanant des exploitations d'agriculteurs de différentes saisons de l'émission, il s'exclame avec sincérité « Si est-ce adorable ?» Savon, miel, cornichon, armagnac. Le chanteur a alors entre les mains un large échantillon de ce que les candidats, à travers la France, proposent grâce aux fruits de leur travail. Julien Doré et L'amour est dans le pré, une grande histoire d'amour depuis peu, lors de la diffusion d'une saison de L'amour est dans le pré, Julien Doré en commente les moments forts sur ses réseaux sociaux. Avec l'humour que les internautes lui connaissent, il se prend au jeu, comme tous les téléspectateurs du programme. La saison dernière, particulièrement riche en rebondissements et en personnages marquants, a été un grand terrain de jeu. En plus des tweets sur l'émission, il a même modifié sa bannière et la photo de profil de son compte Twitter lors d'un des points d'orgue de la saison, la rivalité entre Nathalie et Laurence chez l'agriculteur de la Bresse, Jean. Avant de pouvoir se délecter des épisodes de la saison 18, Julien Doré va pouvoir déguster tous ses produits offerts par une dizaine d'agriculteurs. Ô coquin de sort. https://t. Quincy Saint-Hurua, Golden Julien Je dors officiel, octobre 17, 2022 à lire aussi Gaëtana Brial, Nouvelle Star, 20 ans, nous avons vécu une jolie histoire avec Julien Doré.